Bonsoir, bienvenue. J'espère que vous avez passé une agréable journée en compagnie de notre Dieu. Nous voici arrivés au chapitre 9 de notre livre « La vérité sur les anges » de Ellen G. White. Le titre « Les anges du Sinaï à la prise de Jéricho ». Des anges fidèles dans leur mission sans relâche, Israël et Moïse ont été assistés à tout moment. Le temps est venu pour Moïse de se séparer du peuple et de passer le flambeau à Josué pour mener Israël en Canaan. Quant à Moïse, Dieu lui fait un cadeau qui n'a jamais été offert à qui que ce soit avant lui, à savoir le faire revenir à la vie pour vivre éternellement avec Dieu. Oui, mes amis, Moïse est le premier être qui a été ressuscité sur cette terre, et dans tout l'univers d'ailleurs. Commençons. Les anges du Sinaï à la prise de Jéricho. Les anges dans les excursions d'Israël dans le désert. Le Christ était l'ange désigné par Dieu pour aller devant Moïse dans le désert, conduisant les Israélites dans leur voyage vers le pays de Canaan. Tout au long du chemin que Dieu leur a fait parcourir, les Israélites ont trouvé de l'eau pour rafraîchir ceux qui avaient soif, du pain du ciel pour satisfaire leur faim, et la paix et la sécurité sous la nuée ombragée le jour et la colonne ardente la nuit. Des anges s'occupaient d'eux alors qu'ils gravissaient les hauteurs rocheuses ou qu'ils parcouraient les sentiers accidentés du désert. Dieu a manifesté sa grande sollicitude et son amour pour son peuple en lui envoyant du pain du ciel. L'homme mangeait la nourriture des anges, c'est-à-dire la nourriture qui lui était fournie par les anges. Israël au Sinaï. Et maintenant, le mont Sinaï se dresse devant eux dans une majesté solennelle. La colonne nuageuse reposait sur son sommet et le peuple étendait ses tentes sur les plaines en dessous. C'est ici qu'ils allaient habiter pendant près d'un an. La nuit, la colonne de feu les assurait de la protection divine et pendant qu'ils étaient plongés dans le sommeil, le pain du ciel tombait doucement sur leur campement. Peu après le campement au Sinaï, Moïse a été appelé sur la montagne pour rencontrer Dieu seul. Il gravit le chemin escarpé et accidenté et s'approcha de la nuée qui marquait le lieu de la présence de Jéhovah. Israël allait maintenant entrer dans une relation étroite et particulière avec le Très-Haut. Sortant de l'obscurité épaisse qui l'enveloppait, alors qu'il se tenait sur la montagne, entouré d'une suite d'anges, le Seigneur fit connaître sa loi. Des dispositions devaient maintenant être prises pour l'établissement complet de la maison choisie sous le règne de Jéhovah. Qu'il me fasse un sanctuaire. Pendant son séjour sur la montagne, Moïse reçut des instructions pour la construction d'un sanctuaire dans lequel la présence divine serait spécialement manifestée. Qu'il me fasse un sanctuaire afin que j'habite au milieu d'eux. Tel était le commandement de Dieu. Le tabernacle était divisé en deux appartements par un riche et beau rideau suspendu à des piliers plaqués d'or. Et un voile semblable fermait l'entrée du premier appartement. Ces rideaux, comme la couverture intérieure qui formait le plafond, étaient de couleurs magnifiques, bleu, pourpre et écarlate, magnifiquement agencés, tandis que les chérubins étaient incrustés de fils d'or et d'argent pour représenter l'armée angélique qui est liée à l'œuvre du sanctuaire céleste et qui est l'esprit tutélaire du peuple de Dieu sur la terre. Après l'achèvement de la construction du tabernacle, Moïse examina tout le travail et le compara avec le modèle et les instructions qu'il avait reçues de Dieu, et il vit que chaque partie était conforme au modèle. Puis, il bénit le peuple. Dieu a donné à Moïse un modèle de l'arche avec des instructions spéciales sur la façon de la fabriquer. L'arche était faite pour contenir les tables de pierre sur lesquelles Dieu avait gravé de son propre doigt les 10 commandements. Elle avait la forme d'un coffre et était recouverte et incrustée d'or pur. Il était orné de couronnes d'or tout autour du sommet. Le couvercle de ce coffre sacré était le propitiatoire, fait d'or massif,
À chaque extrémité du propitiatoire était fixé un chérubin d'or pur et massif. Leur visage était tourné l'un vers l'autre et regardait avec révérence vers le propitiatoire, ce qui représente tous les anges célestes regardant avec intérêt et révérence la loi de Dieu déposée dans l'arche du sanctuaire céleste. Ces chérubins avaient des ailes. Une aile de chaque ange était tendue vers le haut, tandis que l'autre aile de chaque ange couvrait leur forme. L'arche du sanctuaire terrestre était le modèle de la véritable arche du ciel. Là, à côté de l'arche céleste, se tiennent des anges vivants. À chaque extrémité de l'arche, chacun ayant une aile qui couvre le propitiatoire et s'étend en hauteur, tandis que les autres ailes sont repliées sur leur forme en signe de révérence et d'humilité. Au-dessus du propitiatoire se trouvait la Shekinah, la manifestation de la présence divine. Et c'est entre les chérubins que Dieu faisait connaître sa volonté. Les messages divins étaient parfois communiqués au grand prêtre par une voix venant de la nuée. Lorsque le Seigneur ne répondait pas par une voix, il faisait reposer les rayons sacrés de lumière et de gloire sur les chérubins à droite de l'arche, en signe d'approbation ou de faveur. Si leur demande était refusée, un nuage reposait sur les chérubins de gauche. C'est par le Christ que devait s'accomplir le dessein dont le tabernacle était le symbole. Cette bâtisse glorieuse dont les murs d'or scintillants reflétaient dans les teintes de l'arc-en-ciel les rideaux ornés de chérubins, où l'odeur de l'encens toujours brûlant imprégnait tout, où les prêtres étaient vêtus d'un blanc immaculé et où, dans le mystère profond du lieu intérieur, au-dessus du propitiatoire, entre les figures des anges prosternés et adorateurs, se trouvait la gloire du sanctuaire. En tout, Dieu voulait que son peuple lise son dessein pour l'âme humaine. C'est ce même dessein qu'exposa longtemps après l'apôtre Paul, parlant par le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Au pied même du Sinaï, Satan commença à exécuter ses plans pour renverser la loi de Dieu, poursuivant ainsi la même œuvre qu'il avait commencée dans le ciel. Pendant les 40 jours où Moïse était sur la montagne avec Dieu, Satan était occupé, excitant le doute, l'apostasie et la rébellion. Alors que Dieu mettait par écrit sa loi pour l'appliquer à son peuple de l'Alliance, les Israélites, reniant leur loyauté envers Jéhovah, réclamaient des dieux d'or. L'univers entier avait été témoin des scènes du Sinaï. Le contraste entre le gouvernement de Dieu et celui de Satan s'est manifesté dans l'exécution des deux administrations. De nouveau, les habitants sans péché d'autres mondes virent les résultats de l'apostasie de Satan et le genre de gouvernement qu'il aurait établi dans le ciel s'il lui avait été permis d'y régner. Peut-on s'étonner que la gloire excellente reflétée par l'omnipotence ait brillé sur le visage de Moïse avec un tel éclat que le peuple ne pouvait la regarder? L'impression de Dieu était sur lui, le faisant apparaître comme l'un des anges brillant du trône. Tout au long de leur voyage, lorsque les Israélites se plaignaient des difficultés du chemin et murmuraient contre leur chef, Moïse leur avait dit « Vos murmures sont contre Dieu. Ce n'est pas moi, mais Dieu qui a opéré votre délivrance. Mais ces paroles hâtives devant le rocher, ferons-nous venir de l'eau ?» était un aveu virtuel de leur accusation. Le Seigneur allait effacer cette impression pour toujours de leur esprit en interdisant à Moïse d'entrer dans la terre promise. C'était là une preuve indubitable que leur chef n'était pas Moïse, mais l'ange puissant dont le Seigneur avait dit « Voici, j'envoie un ange devant toi
pour te garder dans le chemin et te faire entrer dans le lieu que j'ai préparé. Prends garde à lui et obéis à sa voix, car mon nom est en lui. » La mort et la résurrection de Moïse. Moïse s'est détourné de l'assemblée et, en silence et seul, a gravi le flanc de la montagne. Sur cette hauteur solitaire, il se tenait debout et contemplait d'un œil impassible la scène qui s'étendait devant lui. La volonté de Dieu n'était pas que quelqu'un monte avec Moïse au sommet du Pisga. Il se tenait là, sur une haute proéminence, au sommet du Pisga, en présence de Dieu et des anges célestes. Les anges ont également révélé à Moïse que, bien qu'il se soit lamenté parce qu'il avait péché et ne pouvait pas entrer dans la terre promise, et bien qu'il ait eu le sentiment d'avoir fait pécher les enfants d'Israël, c'était leur propre péché, leur esprit de murmure et de plainte, qui l'avait amené à s'écarter du droit chemin et à commettre un péché qui le tenait éloigné de la terre promise. Les anges lui ont dit qu'il n'était pas le plus grand souffrant, qu'il ne ressentait pas dans son cœur toute la profondeur de leur péché, mais que le Christ, leur chef invisible, était celui contre lequel ils avaient péché. Les messagers célestes ont également fait référence aux offrandes sacrificielles symbolisant la crucifixion du Christ et ont ouvert devant l'esprit de Moïse les événements qui devaient se produire dans le futur. Lorsque la vue de la crucifixion fut présentée à Moïse, quelle scène il dut y avoir au sommet du Pisga! Il a vu défiler devant lui les scènes panoramiques dans lesquelles il a vu les souffrances de l'ange qui avait conduit les Israélites dans le désert, les guidant dans leur voyage errant d'Égypte à Canaan. Lorsqu'il assista à l'ascension du Sauveur et qu'il vit qu'il serait lui-même l'un de ceux qui assisteraient le Sauveur et lui ouvrirait les portes éternelles, quel changement s'opéra dans l'expression de son visage! Il vit la terre purifiée par le feu et nettoyée de tout vestige du péché, de toute marque de malédiction, et rénovée et donnée aux saints pour qu'ils la possèdent pour toujours et à jamais. Alors que Moïse contemplait cette scène, la joie et le triomphe s'exprimaient sur son visage. Il pouvait comprendre la force de tous les anges qui lui étaient révélés. Il a saisi toute la scène telle qu'elle se présentait à lui. Après avoir vu Canaan à sa satisfaction, il se coucha comme un guerrier fatigué pour se reposer. Le sommeil vint sur lui, mais c'était le sommeil de la mort. Des anges prirent son corps et l'enterrèrent dans la vallée. Les Israélites n'ont jamais pu trouver l'endroit où il a été enterré. Satan se réjouissait d'avoir réussi à amener Moïse à pécher contre Dieu. Pour cette transgression, Moïse était passé sous la domination de la mort. S'il était resté fidèle et que sa vie n'avait pas été entachée par cette seule transgression, en ne donnant pas à Dieu la gloire de faire jaillir l'eau du rocher, il serait entré dans la terre promise et aurait été transmué au ciel sans voir la mort. Michaël, avec les anges qui avaient enseveli Moïse, descendit du ciel après qu'il fût resté peu de temps dans la tombe et le ressuscita. Le pouvoir de la tombe n'avait jamais été brisé et tous ceux qui s'y trouvaient, Satan les tenait pour captifs pour ne jamais être libérés de sa sombre prison. Pour la première fois, le Christ était sur le point de donner la vie aux morts. Alors que le prince de la vie et les êtres brillants s'approchaient du tombeau, Satan était inquiet pour sa suprématie. Avec ses anges maléfiques, il s'apprêtait à contester une invasion du territoire qu'il revendiquait comme le sien. Alors que le Christ et ses anges s'approchaient du tombeau, Satan et ses anges apparurent près du tombeau et gardaient le corps de Moïse, de peur qu'il ne soit déplacé. Lorsque le Christ et ses anges s'approchèrent, Satan résista à leur approche, mais fut contraint, par la gloire et la puissance du Christ et de ses anges,
de reculer. Satan réclame le corps de Moïse à cause de sa seule transgression. Mais le Christ le renvoie docilement à son père en disant « Le Seigneur te réprime ». Le Christ a dit à Satan qu'il sait que Moïse s'est humblement repenti de cette unique faute, qu'aucune tâche ne repose sur son caractère et que son nom, dans le livre céleste des archives, est resté sans tâche. Puis le Christ a ressuscité le corps de Moïse. Amen. Ainsi s'achève la première partie de notre chapitre 9. Je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne nuit sous l'égide de notre Dieu. N'oubliez pas de prier, de réclamer vos anges. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous garde et vous bénisse. À très bientôt si Dieu veut.